Moi, en même temps, Marion, c'est cette caméra-là oui. que je regarde. Oui, oui, c'est pas elle. C'est elle. C'est tout, c'est... Moi, je regarde elle. Moi, c'est louche, je regarde elle. Regarde celle que tu veux. Bon, elle vous prête, les girls. Ouais! Là, toutes les niaiseries qui passent par la tête. Bienvenue à notre party pyjama confession et je vous présente ma complice, Christelle Dubé, alias ma tante Cri-Cri. Et j'avais donné une mission à Christelle qui était... d'emprunter un enfant. Oui, d'emprunter un enfant à une de nos collègues de travail et j'ai choisi Manu. Manu! Bon, bon Manu. Choix. Merci! Merci. Que dirais-tu en échange de crottes de fromage et de plein de cochonneries d'y aller de quelques confessions croustillantes sur ta mère, Marie-Claude? Ouais. Facilement achetable hein, avec du popcorn. Ok, oui, madame. Mais avant, pour toujours bien débuter un party, ça nous prend un petit drink. Un petit shooter de jus d'orange, les filles. Tchin, tchin. On déclare officiellement le party pyjama confession ouvert. Ta mère, des fois, là. Ta mère est végétarienne, hein, Manu? Vous autres, vous mangez pas vraiment de viande dans la maison, mais ça arrive-tu des fois que ta mère triche? Que vous mangez. Toujours! Oh! Donc ce n'est pas une vraie végétarienne. Qu'est-ce que vous mangez là, des fois comme cochonnerie quand vous laissez aller là? Du poulet. Oh, du poulet. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de manger? Oh! Oh! Du bacon! Du bacon! Quoi? Non! Quoi? Ah! Est-ce que t'es gang de goûter? Ah non! Ça sent du bon c'est bacon! C'est tellement bon! Ça goûte le ciel! Sais-tu comment tes parents se sont rencontrés, mamie? Papa, il m'a dit qu'il a fait ses toasts avec le truc dégueulasse qu'il met dessus avec le yogourt. Puis après, il est devenu amoureux. Oh, en les faisant toasts des bien toasts bien dégueulasses avec du yogourt. Ouais. Ouais. Ça leur arrive de fermer la porte de la chambre? Donc, toujours. Ah, ils ferment toujours la porte de la chambre? Qu'est-ce qu'ils font en arrière de la porte? Ouais. Moi aussi, j'ai goût d'en avoir un. Pour pas que mes frères viennent m'achaler dans ma chambre. Un quoi? Un drill pour barrer la porte. Un okay. Crochet! Parce que ta mère et ton père, ils barrent la porte de la chambre? Oui. Pourquoi? Puis ma mère, elle sort tout nue dans la chambre. On prend la tension. T'aimes pas ça qu'on parle de tes parents? Non, mais attends, ok. Depuis qu'on parle de tes parents, on va parler d'hommes. Ouais. Parce que ta mère. Ah! Est-ce que ta mère, elle aime les hommes? Oh, elle est amoureuse de Adam. De Adam? Pourquoi ta mère, elle l'aime, lui? Parce qu'il est sexy. Aïe! Il est sexy. Parce qu'il est sexy, parce qu'il est dans le jeu. Il joue à The Wish, puis il dit: oh, Adam, t'es sexy. Puis lui, elle dit quoi, lui? Cette semaine, à part du pyjama confection. Tu sais, le sucre, les enfants, après un bout de temps, c'est un peu ça que ça fait, là. Tu sais qu'après, on la ramène à Marc-Claude, hein? Oh, oui! Nous, on est des bandes passées. Après la pause! Ça, c'est le moment où on perd le contrôle de l'enfant. Marc-Claude, quand on n'est pas là, nous elle autres, parle là. À papa que t'as pas de chum. Ah, c'est ça, hein, puis elle est découragée. Elle dit que t'avais un chum, puis tu lui as invité à aller dans un bar, puis il t'a dit qu'il prenait pas de bière. Ah! C'est pas ça, j'avais faux. Pas. J'aime bien l'histoire. J'avais pas aimé ça, hein, c'est ça qu'elle a dit. Ouais, c'est ça. On a-tu d'autres shooters de jus d'orange? Non? On est à 5 de shooters. Dis-nous quelque chose qu'on sait pas sur Marc-Claude. Adore en bobette et en camisole. Quel genre? Des bobettes qui rentrent dans la crème de veste. Quand elle s'est acheté ses bobettes en bambou, elle est pas contente. En bambou? Oui.
bobettes en bambou. On serait plus heureuses avec des bobettes en bambou. C'est doux, des bobettes. Qu'est-ce qu'elle vous dit souvent, ta mère, à tous tes frères? I love you. Sur ce beau mot d'amour. Merci Manu d'avoir fait le pyjama confession. T'as aimé faire le party avec nous? On va dire non. 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 Il n'y avait pas assez de bonbons. Non, c'est ça, on a manqué. Maintenant qu'on t'a fait manger des jujubes, du popcorn. On va faire une recette pour.